Et au connaît, il est vrai qu'on te parle ça. Là, c'est une raconte côté où tu expliques que le conseil présidentiel avec le président du conseil BNCA, tu as gagné un scandale qui t'a pété. D'ailleurs, tu as une rumeur. Après ça, vous-même, dans le micro, tu as confirmé que tu as cité non mon concerné parce que c'est avocat et monsieur. Et finalement, il va arriver côté Bolivia devant l'ULCC. Il y a une sorte de confrontation qui vous est faite. Toi, monsieur, tu as semblé aller, mais client pour là, il n'est pas là. Ça qui passe. Mon cher, vous dites qu'on est à chaque fois que nous venons là, parce qu'on est fort, pas de mentir dans l'espace public. Tant pour ne pas de vérité, nous ne pouvons pas venir. Exact. Parce que c'est une question d'éthique, c'est une question de moralité. Et je dis pour auditeurs et auditrices qui ont des émissions, dans le premier moment, scandale BNCA, il était éclaté. Et que Raoul Pierre lui a choisi comme avocat. Premier bagage pour me dire, ce n'est pas une affaire qui mettait face à face Raoul Pierre lui avec trois conseillers, conseil présidentiel, qui c'est Gérald Gilles, Emmanuel Vettilet avec Ismith Augustin. Son affaire qui mettait face à face l'État haïtien et trois conseillers présidentiels. Pour qui ça me dit ça, Rudy? Le Raoul Pierre lui font première rencontre avec le premier ministre là et puis il a expliqué le fait. Yo. Rencontre, il a eu différentes rencontres, il a eu avec trois membres du conseil présidentiel. Que ce soit la Kaili, que ce soit Nawazis, et puis il a raconté le fait. Yo. Et puis il dit qu'il a demandé 100 millions de goudes comme paiement pour le garder poste. Quand il a qui ça me dit, monsieur? Il dit, monsieur, attendez, l'administration publique n'est pas faite dans la bouche. C'est papier. Il le consulter comme avocat. Il me dit, fais ça, est-ce que vous dénoncez ou non papier, vous avez le premier ministre là? Il dit, non. Il me dit, il faut exposer fait au bali. Maintenant, l'en fin exposer fait au bali non papier, qui moi-même travaille sous lui. Il me dit, il y a deux bagailles pour faire, l'autre bagaille pour faire, il faut demander protection. Parce que c'est là où il joue le rôle de dénonciateur. Maintenant, mais ça m'a dit auditeur que tu as compris. Gary Conny a décidé de résoudre la question hein, par la raison d'État. Il va faire bruit avec ça. Justement. Par la raison d'État. Exactement ce qu'on dit ça. Raison d'État, mais son bail qui contraire à l'état de droit. On résout lui. Vous avez dit dossier ça. Son dossier qui est tellement dangereux pour la dignité et la noblesse de l'État. Dieu a dit, mon cher, mais ça m'a le faire. Il a réuni les membres du conseil présidentiel au complet. Et puis il dit, monsieur, mes bagarres là. Et puis il dit, et puis il mettait en face, et puis il mettait Raoul Pierre-Louis. En face, conseiller présidentiel, pour lui dire, mes bagarres là. Et puis quelqu'un a dit, pays n'a pas qu'à tomber dans le scandale ça. Même si nèg yo ta coupable, on cherche un genre politiquement pour nous traiter le dossier. Il était qu'à blâmer les trois membres du conseil présidentiel, et bazar, il a tout fait le dossier. Et vous dites, Raoul, vous êtes seul, mais vous êtes deux au conseil d'administration, et pas ça, nous pouvons arrêter et puis nous compléter le conseil là. Maintenant, on résout la question hein, par la raison d'État. Et pas ça, me dit pour le faire, non? Mais si vous dites, vous prenez un rapport. Vous rendez public. Vous rendez public. Et pour saisir ULCC, ce n'est pas Raoul Pierre-Louis qui saisit ULCC. C'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre là qui transmet. Correspondance Raoul Pierre-Louis Voibalia à ULCC. Il prend dossier en main à cœur. En main à cœur. C'est parce qu'il estime que d'abord, les faits qui lui ont été présentés sont suffisamment fondés. Parce que pas de Premier ministre, son quidam nié. Ni Raoul Pierre-Louis pour un quidam, mais pas ça. C'est parce que ou pas prendre l'État à la légère. C'est parce que les faits sont suffisamment fondés. Et puis le Premier ministre a dit ça doit faire objet d'une enquête. Et puis il transmet l'être là, bal ULCC. Une fois de plus, ce n'est pas Raoul Pierre-Louis qui a saisi ULCC. Ou bien qui a le devant qui précipité, qui a le devant qui a fait une déclaration devant. C'est supérieur hiérarchique li, qui décide que les faits sont suffisamment graves. Et puis il dit ça mérite une enquête. Donc Raoul Pierre-Louis dit ça mérite pour faire une enquête sur trois conseillers, conseil présidentiel. Yo. Donc ça veut dire qui ça? C'est l'État qui a combattu la corruption. Dans l'administration, dans celle. Dès lors, qui est-ce qui partit en un procès? C'est l'État contre les trois conseillers.
m'a répété conseiller qui représente l'État tout justement donc pas de l'État et pas ça bon seul l'État donc c'est l'administration de l'État c'est-à-dire l'on prend Gary Conny, il est le chef, constitution a dit, il est le chef de l'administration publique. En tant que chef de l'administration publique, il décide que l'administration qui l'a dirigé a, pas de droit de corruption là-dedans, il saisit ULCC pour mener enquête là. Ça, c'est la première chose. Deuxième bagaille qui gagne ou dit, quand le président Edgar Leblanc, fils, était à l'extérieur, soit à Barbade ou bien, où sont les voyages? Les ça, ça a été fait de elle, et puis ils font déclaration, ils disent ULCC, pas ça, seul ULCC qui est compétent, c'est pas ça, qui pour font enquête sous bagaille là. Maintenant, qui s'est les deux chefs du pouvoir exécutif, c'est pas ça, ils ont engagé la responsabilité de l'État. Qui Wall Raoul Pierre lui-même, dit c'est dénonciateur, donc il n'est pas parti au procès. Qui ça, la loi de mai 2014, lui dit pour un dénonciateur. Article 18 là dit comme ça. Léon Moun, lui c'est dénonciateur ou bien le témoin d'un fait de corruption, l'État a une obligation pour protéger Moun ça. Non seulement, faut le protéger, dénonciateur, faut le protéger famille. Et faut le protéger environnement professionnel. Li. Et ça, c'est ça que le gouvernement n'a pas fait. Parfait. Article 18 dans la loi. Sous corruption 2012 que nous-mêmes nous prend. Il est fort protégé. Moun qui dénonciateur, famille, environnement professionnel, ça veut dire tout le monde qui placé sous autorité. Non seulement nèg yo pas fait ça en violation de l'article 18 parce qu'à partir du moment ça là, c'est rôle dénonciateur qu'il joue, il pas parti au procès. C'est l'État qui parti dans procès ça. Mais qu'on y est là pour enquête là. Avancer ou dit, faut Raoul Pelli reste à la disposition de l'État. Puisque c'est lui qui pral appuyer l'État, et pas ça, dans l'accusation de l'État pral pote yo. Donc, nest ça, c'est un élément important. Vous voilà. Vous comprenez, non? Qu'on a expliqué qui j'en gagne qu'on fait évoquer. Est-ce que le gagne doit? Non. L'aime prend nouvelle. Vous connaissez Haïti, là où dit l'État, tout bagay yo passe sous place publique. L'aime prend nouvelle que Gary Conny, et pas Gary Conny, comme si l'exécutif pral révoquer monsieur. M'écrit Edgar Leblanc en lettre. M'écrit Gary Conny en lettre, en correspondance. Pour me dire, monsieur, pas fait faute ça, la grave. Et Raoul Pierre, lui, en sa qualité de, dans statut quelqu'un dans sa cafette là, li gen statut de dénonciateur et par rapport avec statut li doit bénéficier ça me te ka di la protection de la loi et toute institution dans pays a qui responsable pour y kap goumen contre la corruption donc ndi monsieur pas fait erreur ça pour nous pas à le révoquer monsieur parce que n'a besoin monsieur au moment opportun. Parce que l'on révoque, monsieur, ça veut dire, ou livrer à la violence des entités criminelles. Mais est-ce que Gary Conny, c'est pas exploité, le besoin d'exploiter, faire yo? M'a arrivé sur ça. Mais même si on fait ça, et ça fait ou dit, politique en Haïti, ya. C'est intrigue. Parce que n'est-ce pas m'lié, hein? Gomba gay nan tête li, ou bien s'il fait pour des motivations politiques, m'a pas comprendre. Mais en même temps, il va li loyo. Vous comprenez ça, Mabdoua là? Donc, li pa li loyal, pa wè sa loyal dit qui responsabilité que loi li conféré, li baye avec autorité exécutive yo. Parce que comprenez bien, ça Mabdoua là, ou dit, li pa seulement nan loi 2014 là, non? Li nan toute convention internationale a été ratifié en matière de corruption. En matière de corruption, il y a deux bagailles qui sont importantes, ou dit. Yo dit nan texte yo. Premier bagage qui est important, c'est le renversement du fardeau de la preuve. Et deuxièmement, c'est la protection des témoins. C'est deux principes ça qui traversent la loi. Protection des témoins, pour qui ça? La corruption à la main longue. Ça veut dire, bon, tu as fait corruption, c'est pas si malheureux. C'est grand nègre qui dans l'État, c'est grand nègre qui dans le secteur privé qui a fait corruption. Donc, corruption, gagne main longue. Et ça fait doux.
moun ki dénoncé atè avec témoin faut mettre l'on côté pour cacher l'on côté parce que nèg sa yo gen men long y a rivé sous li. Et c'est ça qui fait convention dit faut protéger, ça veut dire Raoul Pierre-Louis pas de droit échapper là aux États-Unis. Ça dit faut entourer de toute protection nécessaire qui fait là, mais le fait que nèg yo rivé dans situation ça, maintenant nèg yo bloqué enquête là. Et c'est raison qui ça, ou après moun ki réagit sous question hier soir. Moi me troublé. Oui, ou après comment moun yo réagit sous question hier soir. Ou après Dali font tweet pour le dire c'est pigo erreur. Que le gouvernement commette le fait qu'il révoque Raoul Pierre-Louis. Mais c'est qu'on y a découvert le texte là. Il n'y a pas jamais lu le texte. Et il me l'a dit ça, il dit c'est pigo erreur que vous faites. C'est catastrophique. Est-ce que son erreur? Mais son erreur lié. Non, mais je connais que Gary Conny connaît qu'il va faire erreur. Ah, oui, ça c'est lui-même. Oui, Gary Conny connaît. Dans la tête, lui, peut-être que dans sa politique de manipulation, il vient de voir que Algoum a CPA pas bon pour lui. Oui, il est obligé d'aller en bac. Il viole la loi. Il coupe peut-être. Il coupe, ça veut dire violer la loi. Maintenant, qu'on est là, où il est dans une situation, pas de protection de témoins. Maintenant, vous posez une question pour me répondre, qu'on est là. La confrontation. Je l'avais souhaité moi-même. Pourquoi ça m'a souhaité là? C'est parce que tout au début, et puis mon y a dit, oui, pas de preuve, pas de preuve, pas de preuve. Comme la confrontation. En matière de procès pénal, son exercice, son processus qui permet tout, fait émerger la vérité, c'est-à-dire wap confronter youn avec l'autre. Oui. Mais deuxième piège que m'tende pour moun yo, l'em d'accord principe confrontation, bien que m'connais son... Présent comme justement. Mais deuxième bagaille de gain, c'est justement pour monter côté nèg yo pas protéger la dignité et la noblesse de l'État. Parce que dans la lettre là où dit, pourquoi ça dit que le ULCC a dit, la confronter Raoul Pierre-Louis à trois conseillers, mais la confronter conseiller tout avec chauffeur. Yo. Chauffeur pas Raoul yo, mais... Oui, chauffeur Raoul là. Et la confronter avec sécurité là. Parce que c'est yo qui te voyé à chercher Kobla dans le sac. Pas président Raoul Pierre-Louis. Maintenant qu'on y a pour la dignité de l'État. Ça veut dire, comment pour faire pour arriver dans un niveau ça et puis pour traîner l'État dans un trou de merde? Comment pour faire, ou dire, vous êtes président de la République et puis vous allez confronter, vous allez chita et puis vous allez confronter avec le chauffeur? Mais d'accord pour aller dans l'ULCC déjà, c'était fini. Mais justement, donc ça veut dire qui ça? C'est ça. C'est-à-dire, la confrontation, je te souhaite, bien que tu aies bien comme avocat. Mais c'est parce que l'opinion n'est pas favorable avec l'autorité qui fait que tu obligé. Tu couru, tu es allé dans l'ULCC, c'est sans invitation, précipitation. Alors que avant, tu vas te blâler. Tu vas te blâler, sans précipitation. Et tu te dis, tu as une immunité. Et puis, tu dis, tu vas aller, tu couru, tu es allé dans l'ULCC. Mais pour qui ça? C'est une manœuvre, son diversion politique, justement pour conserver les postes. Et ça fait que tu couru, aller parce qu'ils ne veulent pas être démis de leur fonction. Et ça, c'était une manœuvre politique. Et le fait, que vous courez à l'éa. Mais pour qui ça me dit d'accord encore, vous dit, c'est parce que vous n'avez pas de preuve, vous n'avez pas de preuve, pas comprendre. Parce que là, on prend confrontation en matière pénale, bien que son élément, oui, qui est réservé à juge d'instruction, qui peut enquêter à charge et à décharge. Parce que là, il prend deux mounions, il peut le faire confronter. Et c'est comme si M. Tadou, l'ULCC m'a dit confrontation, il est dans la précipitation. Parce que qui s'accrivait en matière de corruption? Yo pa pale. Bagala chaud besoin le vide. Ou pas parler de preuves dans stade ça. Ou qu'on soit parler rôle ULCC c'est soupçon pour le tracer. Il pas besoin de confrontation. Mais comme confrontation lui même, on va pas dire, il pas déranger moi, et pas ça? Parce que ça vaut quoi? Ça avant tu vas chercher. Ya. Yeah. On pense que client n'a pas avantage. Justement. Ça veut dire comme moi même ça avantage m'a chercher. Donc ou bon moi avantage là, m'a prendre. Et c'est comme si tu étais avocat. L'on appelait de devant juge, ou m'a dit tout bagaille. C'est lui qui prend ça là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. L'on dit demande sur Féa, il n'y a pas de rapport à la loi. Il n'y a pas de rapport avec ça, il n'y a pas de ça, mais ça m'a baou. Mon gain doit m'a dit juge là, tout bagaille. C'est pas ça. C'est lui qui dit, mais ça n'a pas baou. Mais est-ce que vous pensez que là, par rapport à Cléon, là, il ne va pas faire confrontation? Est-ce que vous ne pouvez pas prendre défaut? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne suis pas là, mais. Non, tu as dit bagaille qui gagne. Et vous dites de bien. Léo dit la loi. T'as quoi vivre? Léo pas comprendre. Les principes de la primauté du droit. Comment ça veut dire? Il existe une seule loi pour tous. Un seul État pour tous. Ça veut dire, lorsque c'est gouvernant,
Là où dit Haïti son état de droit, il pas un vieux moulier, non? Les gouvernants doivent se soumettre à la loi au même titre que le simple citoyen. Ça dit directeur ULCC à tout, il doit soumettre lui à la loi. Gary Conny doit soumettre lui à la loi. Conseil présidentiel là doit soumettre lui à la loi. C'est comme si en dehors la caïman la gonave. Lors où pas font confrontation. Trois conseillers présidentiels avec Raoul Pierre qui sont civils. Et pas ça? La caïman qu'on relève ça, il dit son combat entre pour de terre et pour de verre. Même Abdou va y gagner. J'ai l'impression, ouais, les nègres, même si nous avons maîtrise, bel mon doctorat, mon licence, vous connaissez depuis que nous sommes corrompus, tout ça, il n'y a pas de sens. Ça veut dire, vous venez, nègres là, vous venez, ton nègre saute, parce que nous sommes corrompus. Mais paysans, par contre, les Yaoudi, depuis que nous sommes saines, depuis que nous sommes pas affectés, je ne vais pas comprendre, il y a plus logique, oui. Plus compréhension, parce qu'on est qui ont doctorat, mais nous sommes pourris. Ou dans un paysan d'où? C'est soit parce que vous n'avez pas. Mais justement, parce que son simple bagaille qui gagne, ou pas même besoin de faire droit. Pour comprendre ça, Mabdoula là. Paysan d'où, ça son lutte entre pour des verres et pour des terres. Ça veut dire son lutte inégale. Comment pour placer un nègre qui président en face en civil ou doit faire confrontation avec elle? Ça veut dire les armes. Ou on commence à vous mettre, ouais, un paysan fort, bon philosophie. Eh bien, grand nègre qui bon en droit, gros spécialiste, ou on qui t'aime mieux embrayer. Il dit le principe de l'égalité des armes. Ça veut dire que les armes ne sont pas égales. Et si les armes ne sont pas égales, donc pour ça, pas équitable. Mais on fait que ce dîme là, que vous-même, vous avez un avantage à prendre, la confrontation est bon pour vous. Oui. Premier bagaille. Mais quand il y a la non, mais il y a deux bagailles qui existent, qui m'exigent. Dans la correspondance. Avant de vous, il y a lettre là-bas, je vous écrit, oui. Je dit pour que la confrontation soit possible, il y a deux bagailles qui pour faire, il y a deux principes, moi-même, m'pa transiger sur yo et m'pa négocier sur yo. Premier principe là c'est la protection des témoins. Vous êtes des témoins. Oui, tout le monde qui témoin dans ça qu'a fait là ou bien dénonciateur yo, faut une protection de la loi, Jean la loi dit la protection de la loi et des institutions. Parce que tenez bien ou dit pour nous ka connaît. Côté là dit nèg yo nan manipulation, yo nan manipulation vrai. Dans lettre là ou le pèl lui te voya depuis première lettre m'écrit à Dariconi, m'a des protections. En vertu de l'article 18, pour dénonciateur. Parce que c'est le principe ça qui dégage dans le loyau et dans la convention. Il faut protéger les témoins avec dénonciateur. Vous comprenez qui ça, Gary Conny, te répond, monsieur? Je vais mettre en contact avec le directeur de la police nationale. Le Raoul Pierre lui relé, directeur général de la police nationale. Vous comprenez ça? C'est pas Raoul Pierre qui fait ça. Là, pour montrer que nous avons fait toutes les démarches possibles. Ça veut dire que ce n'est pas Raoul Pierre qui dit qui peut faire des démarches. Raoul Pierre, le directeur général de la police, là, Gonzalo dit, mon cher, écoutez, voilà le problème. Je n'ai pas toute la confiance dans tout dans agent force publique. Je ne vais pas prendre une décision ça moi-même pour mon sécurité. Pas ça? Après ça, vous attendez depuis devant la sécurité à l'assassinat. Mais c'est lui qui vend nous. Maintenant, il dit, monsieur, sous qu'on est, ou bien des trois agents dans la force police là, il va ça, ou bien avec, ou bien confiance dans la main, il va ça, il va y avoir un problème pour vous. Recommandez-moi. Vous savez, monsieur, il y a un monde qui peut passer. Est-ce qu'on voit une situation? Vous dites, non seulement, ils ont mettez monsieur au pied du mur, ils n'ont pas mis sécurité, et puis deuxièmement, ils n'ont pas protégé job, monsieur, ni environnement professionnel, ils ont révoqué. À partir de ce moment-là, on met un blocage. Non, enquête là, comment on peut le faire, Kounye là? Jean Paysan dit, on lutte entre pot de verre et des pots de terre. Kounye nèg la paraît dans ULCC avec toutes les machines blendées, le baza. Cortège présidentiel, le baza. Tout bagay bi pauvre ou le bien lui, paraît son motocyclette. Parce que même machine blendée, il va directeur général là. Et président, donc là. Ça y toute sécurité le dégain, il n'y a pas gagné encore. Non, voilà, monsieur, on s'est vu le sèche. Il sèche, ça dit nu comme un verre, c'est-à-dire il n'y a pas l'équilibre. Et c'est ça. Gedi Blaise, avocat, il dit non, tweet li fait. Il dit maintenant, si vous faites ça, vous mettez la non situation de déséquilibre. Donc, enquête là produit un déséquilibre. Déséquilibre là, donc qui est à l'avantage de qui est? Avantage de trois conseillers du conseil présidentiel ou établir un déséquilibre. Et de pour finir d'établir déséquilibre ça,
pas gagne enquête encore ou compromettre équipe là donc ou biaiser qu'on a clé là lui-même qui elle fait partie on dit te poser question ça là qui elle fait partie facile comme ça qui te veut dire écoutez un ben mabzo li parti facile li parti li qui te dehors c'est parce que j'en redis c'est bluffé nèg yo j'ai pas ta con plus avec le courir que le camper oui je, mais c'est justement que les pas comprendre yo livré nèg là à la violence. C'est comme si on doit commencer à mettre là, sous pas sorti là, ça crie vos oui. Yo la gueule pour chien manger. Yo la gueule pour chien manger. Donc sous rete là chien manger, c'est où vous voulez parce que pas de sécurité pour vous. Yo la gueule. Yo fait l'aller. Maintenant c'est pas ça seul ça fait l'aller non parce que Raoul Pierre-Louis Gamaman qui a 99 ans qui est en phase terminale. Par contre, c'est peut-être que c'est lui seul garçon que maman gagne, il était voulu assister à cette phase terminale, et puis l'aller. Mais toujours est-il, m'a répété, nous sommes prêts pour cette confrontation. À partir du moment. Ça dit donc, si tout le monde est là où la confrontation. Absolument, on fait parce que nous avons besoin. Ça dit bien ça, m'a dit. Confrontation, il y a un monde qui peut faire. Il y a un juge d'instruction. De manière, son processus. Si vous dites ça, ou pas d'accord avec ces confrontations? Non, je suis d'accord. Non, je dis que ça, son élément. Mais qui ça fait ça, Mabdoula? Je dis que j'ai une question. C'est parce que mon y a pas de parler des preuves. Mais comme la confrontation, son processus qui peut permettre la vérité à émerger, et pas ça? Parce que vous n'avez pas contredit l'autre, et à partir de ce moment-là, donc vérité a sorti au fond du puits. Et puis, on établit la vérité. Donc, je n'ai pas de problème. Comme on connaît la vérité et le droit li, du côté de mon client, donc je n'ai pas peur de confrontation ça que vous m'avez dit. Mais ça me demande, c'est les garanties de sécurité. Même après, établissons l'autre bagaille encore. Pour question preuve là, pour me parler avec l'auditeur. En matière de corruption dans ce stade, l'ULC, ce n'est pas preuve là pour le chercher. Il faut chercher soupçon de corruption. Soupçon son l'autre bagaille lié. Qui ça ou dit soupçon en droit? En droit, c'est des faits à partir desquels on peut attribuer des intentions coupables ou blâmables à quelqu'un. Ok? Maintenant, qu'on y a là, dans bagaille, ça qui passe dans BNCA, c'est pas pour, c'est soupçon. Soupçon, c'est qui ça lié ou dit? Je finis définir pour vous, mais je prends un exemple pour vous. ULC, c'est ce qu'on doit dire. Mais écoutez, bon réunion, pas faite sous BNC. Mais BNC, c'est une banque d'État. Est-ce que réunion qu'on fait là, les concerne le fonctionnement de la banque ou bien problème que la banque là a confronté? Mais si réunion l'a faite, et pas ça, sous question banque là, et pas ça, à ce moment-là, pour qui sa réunion ça, n'est pas faite dans la villa d'accueil? Côté siège conseil présidentiel hier. Deuxième question pour chercher soupçon. On dit mais le conseil présidentiel là, il y a distribution de tâches, pas ça? Il y a toute question finance, économie, c'est Fritz Jean. Toute question droits humains et relations internationales, diplomatie, c'est Smith Augustin. Toute bagaille qui a question avec santé publique, c'est Gilles. Mais toute bagaille qui gagne avec la justice, c'est Ventile, pas ça? Mais question banque, pas ça? A fait manger, c'est Fifia. Oui. Qui en l'aile? Bon, m'oublie non. Parce qu'on y a non tout le monde. Donc, question banque, son bagage qui relève des compétences, c'est pas ça? Des fruits de gens. Pourquoi ça, c'est pas fruits de gens conduit réunion? C'est ça, pour poser cette question, pour trouver soupçon. Deuxième bagage, nous a dit, mais écoutez, pourquoi ça en réunion, là, le fait dans la chambre 408, dans l'Oasis? Mais pourquoi ça réunion en tout, au moment de la réunion, et vous dites tout téléphone saisi? Y compris nous saisir téléphone président. Donc ça veut dire il y avait des choses indécentes et des propositions indécentes. Et négocier tellement. Tout téléphone de saisi. Tout téléphone saisi. Et raison négocier la veille. Nous devons nous parler ça. T'es qu'on réunion que t'es faite. T'as premier ministre ou bien t'as Gilles qui t'es faite et qui t'es passé en quai de poisson. Gilles. Côté t'es qu'un premier ministre. T'es qu'un. La Claude t'es mandé premier ministre en gouverneur. Justement. Donc négocier dit pour bail ça pas répéter. Il dit textuellement. Ou bah ça va répéter encore, ou après, nous prenons tout téléphone avec assurance. Donc, ça cap dit là, les papes sorti. Donc, ou pas même besoin de arriver dans la question 100 millions de goudes. Donc, fait yon gâtant caractérisé. Donc, gâtant gen soupçon de corruption, c'est ça yon mandé. Relever les soupçons de corruption et ce travail ULCC pour le faire. Donc, établir ces faits de corruption et à partir desquels
Maintenant qu'on est là, on va transmettre dossier à bah, le commissaire du gouvernement qui c'est autorité de poursuite. Le commissaire du gouvernement avec les rapports de ULCC saisit le cabinet d'instruction avec son réquisitoire d'informer. Maintenant c'est le juge d'instruction hein, qui va le faire confrontation. C'est ça parce qu'il a un rôle donc pour lui enquêter à charge et à décharge et puis pour louer indice. Et là, ça, c'est indice de corruption, c'est indice sur la chercher comme infraction pénale. Ou pour même dans preuve, ou dans indice. Maintenant, qui est le preuve? C'est le jour du jugement. Le commissaire du gouvernement qui a porté accusation. Yo. C'est lui-même qui pral fait toute sale qu'on est pour transformer les indices en preuve. Maintenant, s'il t'a fait indice tourner en preuve le jour du procès, nèg y a condamné et s'il pas capable d'eau y a lâché. C'est à ce moment-là on parler des preuves. Mais en matière de corruption on dit mon l'autre bagaille après les principes de la protection des témoins, mon l'autre principe encore, c'est principe relé le renversement du fardeau de la preuve. C'est pas le fait que on et Raoul Pierre lui paraît là comme un cuidam et puis il dit comme ça ah nèg te mande 100 millions de gouttes. Non, li bail des faits. Lui expliquer le déroulement de tout événement yo. Pour l'expliquer ça, c'est pas parce qu'elle pas apporté des preuves non, mais en matière de corruption, la loi est pas moins qu'elle fait le problème. Si nous pas d'accord avec elle, n'a changé. La loi lui dit c'est le renversement du fardeau de la preuve, ça renversement fardeau de la preuve là, dit. Livre le dit. La personne accusée doit faire la preuve contraire. C'est-à-dire vienne dit bagaille contraire. Et sous pas qu'a dit sous pas qu'à expliquer bagay contre par rapport à ça, monsieur dit là, donc la culpabilité est établie. Mais qu'on est là, moi, le bagay ça vient de venir chaud, de recevoir Gérard Gilles ici, à bon, pas de venir parler dans le micro, non? Mais il devine ouam directement, il a mon téléphone, il a une conversation entre lui-même avec client là. Moi, ouais, d'un côté client là, il a bagay effacé. Il a dit, moi, ouais, ça. Moun qui effacé, à wapo, c'est lui qui effacé. Et, par contre, pour qui ça l'effacé, ça que l'effacé, s'il va gagner, il va cacher lui-même. Mais, Maître Sonnet, il y a des gens qui disent, on a ou là, on va répondre pour tout. Il y a des gens qui disent, c'est Gary Konik Peyo, comme avocat, Raoul Pierre-Louis. Ça a une vérité dans le bail. Tu me dis, on va gagner. C'est lui-même qui contacte, c'est comme le seul qui prend avocat pour Raoul. Non. Tu me dis, si Gary Konik, où est-ce que j'ai parlé là, il va ça? Ça veut dire, où est-ce que j'ai un rapport avec Gary Konik? Beaucoup de gens ont Gary Konik un jour dans la vie. Il va pas contacter ou? Non, jamais. Beaucoup, je ne pas connaître Gary Konik. Dans la télévision, oui? Oui, dans la télévision, je ne pas connaître du tout. Ça veut dire que c'est des gens qui ont fait manipulation politique. Et si Gary Konik a choisi comme avocat et Raoul Bielui, je ne dis pas que c'est un pile. Je ne sais pas beaucoup dit là dans la procédure ou dit. Parce que je regarde, je mène les gens jusqu'au bout, côté où aller là. Mais s'il a choisi comme avocat, son chrétien, il t'a bien. Comment le cas choisi moi comme avocat pour Raoul Bielui? Ça va. Ça c'est ouais mon cap dit ça. Parce que les gens intéressés avant. Non mais le pas faire ça. Avant de volter face. Gary Konik sont intéressés oui. Dossier était très intéressé pour l'accueil des CPA. Ça après moi aller marron Bokisa. Est-ce que c'est ouais pas mon boulot tout lui-même et puis le révoquer Raoul Bielui. Il signe dans groupe monde qui pour révoquer. Temzo. Et tu as dit non? Oui. Pas signé. Temzo va qui gagne. Pour finir éclaircir ça. Et songez ça me dit oui, mais m'pap développer ça en pile. OK? C'est l'État qui est parti au procès. Ça veut dire même dit parti a, c'est ligue victime non parce que banque là, c'est une banque d'État. Imaginez que Raoul Pierre lui te prend 100 millions de gouttes de bail. Ça c'est cop déposant pas ça? Cop déposant yo en deux banque BNC, yo bail l'État pour le gérer BNC. Maintenant, c'est l'État qui est victime. Je vais expliquer encore. Les dossiers arrivés devant le commissaire du gouvernement. Encore une fois de plus, Raoul, c'est dénonciateur qu'il y a. Et c'est l'État qui est victime. Et c'est lui qui va en face, trois conseillers. Comment pour. Mais à même que pas qu'un avocat dans la primature. Pas qu'un avocat dans le palais national. Comment pour t'as fait du Gary Konik pour le choisir non? Donc si on t'a choisi, c'est à la plus grande ignorance et la plus grande imbécilité parce que on pas qu'à faire et m'a dit pour qui ça dans prochaine émission là qui fait pas qu'à choisir comme avocat.
Vous ne pouvez pas dire. Non, je ne peux pas dire qu'on y a. Donc, je ne pas contre mon frère, je ne pas contre Gary Conny. Ni en peinture, ni en peinture. Et c'est dans la télévision, je ne suis pas Gary Conny. Je ne suis tout le monde. Mais comment je l'autre pile l'autre monde tout? Il y a un monde qui était d'accord que je suis premier ministre. Pour simplement, vous comprenez ça? Par affiliation idéologique. Vous avez? Oui. Parce que M. c'est petit duvalieriste, c'est petit duvalieriste, ma coûte, même Javel. Ça n'a pas aucun rapport. Donc, ça veut dire, c'est mon bail pour bail idéologique, parce que dans la tête, les duvalieristes ont un caractère. Et ont un tempérament, ont une dignité. Où est-ce qu'ils ont un caractère? Je ne sais pas ça. Donc, pour moi-même, la reconnaissance est une déception. Comment ils ont fait? Yo, il révoqué. Ou comment monsieur révoqué, mon frère? Mm-hmm. Bon, là pour un nègre, là pour un Raoul Pierre lui, et pas ça, son grand commis de l'État lié, et pas ça? Mm-hmm. Nègre ça yon pas nommé, yon pas lettre, et pas ça? Yon nommé, yon pas arrêté, et pas ça? On arrêté pris en conseil des ministres, et pas ça? On arrêté présidentiel qui nommé, et pas ça? Ou pas besoin que nègre là, mon cher, pour l'autre arrêté, et pas ça? Son arrêté qui met fin à l'autre arrêté, et pas ça? Mm-hmm. Là font ils lettre et vous voyez là dit lettre là ça veut dire c'est comme si monsieur dans l'administration publique sont maintenant son lettre qui met au comme fonctionnaire pas ça même j'ai été j'ai l'avantage de vous informer qu'il a été fait choix de vous comme tel bagage pas ça même j'ai une petite lettre qui vient qui dit comme ça comme j'ai l'avantage de vous informer qu'il a été il a décidé de mettre fin à votre fonction pas ça c'est la partie fonctionnaire comment vous voyez lettre bali pour dire comme ça il mettait fin avec fonctionnaire moi comme ça privé mais j'ai appris par la suite. Un modèle défini tout. Pas qu'un problème. C'est ça, oui, d'où le moment n'était pas opportun. Mal choisi. C'est pas parce que conseil présidentiel là, pas qu'à pour arrêter, nous mettons l'autre. Parce que c'est attribution, nous mettons l'autre conseil, mais le moment a été mal choisi. Parce qu'elle entend dénonciateur déjà. Mais on va faire autre lit. Oui, il a fait route. Entre la non américain, entre la. Mais justement, l'a fait route. Donc, on dit qui s'accrivait, mais c'est pas qu'à faire ça. Je dis oui, non, et comme. Mais monsieur, il n'y a pas qu'à faire ça, attendez bien. Il a fait ça, ou bon, son nèg dans le secteur privé. Mais c'est où dans le cabinet, monsieur, que l'homme qui dit ça. Il identifie le bon nom, oui. Il dit, mais sonnet, attendez. Pour moi-même, penser c'est irresponsabilité. Parce que c'est lui qui avait facilité la rencontre entre Raoul Pierre-Louis et Garnier Karikoni. Il dit le déçu. Et puis, si tu es un homme d'affaires, bon, oui, vous voyez, il dit c'est un homme d'affaires ça qui décide la révocation. Un homme d'affaires qui décide la révocation. Oui, justement. Parce que Raoul Pierre-Louis, tu es saisi en caillou. Soit pour lui, ou bien proche lui, il fait 12 ans, il ne va jamais payer. Bien, c'est saisi quand même. Bien, ça le saisi quand même. Et puis, il révoque, monsieur. Et puis, il dit la lettre venait de ce type-là qui est membre cabinet, son milate. Dans le papier, mon aigle. Maintenant, il s'est fait rap de mes crimes. Moi-même, l'aime zoom tapis là comme du Valéris, parce que je connais du Valéris, il y a une dignité, il y a un caractère. L'autre dit, monsieur, il y a un caractère. À partir du moment où, c'est monsieur qui fait le signe lettre là, qui fait le fait ça, il dit, monsieur, il n'a pas de caractère, il n'a pas de tempérament. Quand il y a ou même, comme un acteur qui a suivi ça qui a passé dans le pays là, ou a suivi la transition là, qui soit ouais de transition ça, qui côté nous va aller? Sans transition à la réelle ou bien. Ouais, en 5 mois, 4 mois que M. Saoui est là, il a début en avril, qu'on est là en juin lui-même. Est-ce que vous avez un pas en avant qui fait ou bien n'a pas marqué pas sur place? Mon cher, première question, c'est que vous n'avez pas préparé. On va parler de le tout. De tout. Il n'y a pas de préparation intellectuelle, pas de préparation. Elle dit donc Fridjian, Edgar Leblanc. Et où est-ce que vous comprenez dans le pays? Pas préparé? Non, pas préparé. Nessie Voltaire? Non. Comme si c'était que ça? Non. Non, il va pas qu'elle aille préparer. Non, il va. Ah, mon cher, tu n'as pas besoin de parler avec mon frère. Et ça, Max Weber parle en bagaille. T'as dit bien? Et puis il dit les professionnels de l'État. Nous qui dirigeons l'État, c'est les professionnels de l'État. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait. Ou qu'à son professionnel des intrigues, de la manifestation, de la magouille, mon pas un professionnel de l'État. Parce que ça arrive, ou dit, l'État, c'est un code de procédure. Pour qu'il y ait un médecin, et pas ça. Ou qu'on ne paye piqué. Ou qu'on fait un diagnostic, et pas ça. Ou qu'on avocat, ou qu'on le plaide dans le tribunal, et pas ça. Mais ça va. Les gens sont professionnels du droit.
Mon qui doit pas un professionnel de l'État, ça veut dire professionnel de l'État, professionnel de la santé, professionnel de l'éducation, professionnel de l'État. Ça veut dire l'État, c'est un corps de procédure. Ça veut dire sous qu'on l'État, l'homme ne doit pas préparer pour venir diriger l'État, parce que l'État, son corps de procédure, qu'on pas qu'on est. Par exemple, ça me dit là, bon, comment faire pour un dénonciateur, son haut fonctionnaire de l'État, lui, ou quitter le bras avocat? T'as dit bien ça, Mbazou, là. Parce que nous-mêmes, nous avons un problème ici, là, depuis où on est comme si nous déclarons nous compétents par acclamation. Nous dit tel monde compétent, c'est par acclamation, ou bien radio dit tel monde compétent, et puis nous dit le compétent. Ou bien saute mon famille qui te gagne intellectuel là-dedans, donc les compétents par héritage. Mais la compétence, son bagage qui doit être éprouvé, il faut que nous sur le terrain et dit le compétent. Bon, l'autre dit ça. Bon, n'est-ce pas, vous dit bien. Dans la mauvaise action que nous avons possédé là, même dans la révocation, l'autre prend BNC. T'as dit bien, vous dit. C'est fruit de Jean même qui proposait à la suite des blousailles qui passaient dans le choix du président et tu as fait du conseil d'administration parce que grand tout vu que tu as fait qui t'a mené par fruit de Jean au cours de laquelle mais qui t'est révélé le performant dans l'entrevue il relève Gabriel Zéphy mais c'est Edgar Leblanc qui t'est venu avec candidat tu monsieur on connaît on parle ça ici. Et puis, il y a l'élément que le Fritz Snell, délégué par le secteur privé, au cours de l'entrevue, à M. Rélé. Gilles Témené. Oui, que Gilles Témené lui-même. Donc, c'est Gabriel Zéphy qui s'est révélé performant. C'est lui, Fritz Snell, satisfait de performance. De performance, lui. Mais c'est pas lui qui a voté. Y compris Edgar Leblanc. Y compris Edgar Leblanc qui a voté là. Oui, qui a pas voté. Pas voté. Et c'est là ça. Fridjan écrit on lettre avec tout le monde conseil là il dit ça c'est magouille. Lettre ça passe ici. Oui il passe oui. Me dit ouais tu déposé le délire. Il dit c'est magouille. C'est à partir de ce moment là autant que vous dites. Il t'a mis ton conseil. Mais trois divisions les divisions au sein du conseil et puis la persistance des intérêts mesquins. Les divisions ils ont entendu il y a le vote de l'autre monde qui va pour. Oui mais c'est ça me gazou. Qu'on a division qui ne fait ça. Ils ne viennent pas d'accord. Justement. Qu'on y a négocié vont côté négocié. Comme nous pas besoin de consensus sur question banque ça et bazar, on bail banque centrale et bazar. J'ai question. C'est mais ça que j'ai déposé. Justement et c'est ça que nous devons des gens comme gouverneur banque centrale pas compétent. Parce que loi juillet 2012 sur les banques et autres institutions financières, il dit on banque d'État sont seuls gens ou pas mettre en commission dans tête lui pour la faillite. Pour vous-même, ben, c'est pas. Il y a quelqu'un qui dit ben, c'est en faillite. Mais des faillites. C'est la preuve que la faillite là, si on met en commission. Non, mais justement, mais il n'est pas en faillite. Là, la faillite doit être déclarée. Des faillites là sont mesures judiciaires liées. C'est pas là que vous pouvez être la faillite là, non. Sont mesures du judiciaire. Et puis, deuxièmement, qui s'est arrivé, Banque Centrale va faire ça. Parce qu'il y a des rapports de supervision et des rapports d'audit. Regardez, vous postez, oui, sous document Banque Centrale. Yo. Les rapports de supervision et d'audit de la Banque Centrale. Yo dit BNC est en bonne santé. Non seulement yo dit BNC en bonne santé, l'année dernière, fiscale l'année passée, on voit BNC par l'État, 1 milliard 800 millions de gouttes comme dividende. Mais faut comprendre bien, ça ouais nèg Abdoulaye menti. C'est échec pour te mettre dans tête conseil là, ça, dans tête banque là en conseil là ça. Les fruits de gens révoltés. Que c'est pas Fresnel qui parle dans la banque là, c'est Gabriel Zéphy parce que c'est lui qui performant, n'est-ce pas? Maintenant, Kounia, à partir de qui il est, il constate la banque en faillite là, le Réchouya. Kounia dit bon, écoute, est-ce que c'est pas mon qui a protégé? Yes. Mon qui doit banque là pas qu'à payer. Exactement. Exactement. Ça veut dire qu'il y a des mondes qui a protégé dans ce sens là, parce que mon frange. Il dit qu'il y a un secteur privé qui bon, veut. Il y a 4 familles qui veut accaparer banque 60% de BNC à donc ça veut dire que là. Justement. Donc vous êtes dans une opération mafieuse. Ça veut dire que ça, Mouni Abdoula, n'est pas ça. C'est une opération mafieuse. Oui. Maintenant qu'on est là, on dit, je ne vais pas parler de transition. Mais dès le départ, tout le monde te dit, conseil 7 têtes de pied, il n'est pas prêt à aller de quel côté. Parce que tout simplement, ça n'a pas rentré dans l'histoire constitutionnelle, dans l'histoire de gouvernance. Nous étions en 1957. Le François Duval était pas le président. Il tournait en queue de poisson.
Et c'est raison pour laquelle, malgré toutes les difficultés que m'te gagné avec la Cour de cassation, même t'es convaincu pour me dire pour que transition en pour son transition qui neutre pour ne pas dominer par les secteurs politiques et des entités mafieuses qui gagnent dans le pays. Donc confions-nous le pouvoir à la Cour de cassation. On pas toujours d'accord avec ça et madame Touyo t'a fait en 1990. Mm-hmm. Mais il y a eu quand même un résultat. Où l'élection t'est faite, Aristide t'es président. Que ça soit bien, Aristide t'es gagné plus de monde. Comptage par comptage, ça sont l'autre problème. Mais le maintenant, en 2006, je ne suis pas d'accord parce que Préval t'a gagné 48% de voix. Mon pas dit que transition qui était dominée par Boniface là, avec la torture, donc c'est ton transition qui était dominée par les partis politiques, donc et les secteurs privés des affaires. Ça m'a dit qu'il n'y a pas de gain en prison, non? Mon pas de réo. Mon te wè Boniface à la barre, ou te wè. Boniface te mouille pour le guider de la torture qui fait tout le travail. Ou justement. Donc ça veut dire que tu es un premier ministre qui était là-bas et tu es en élection quand même qui était faite avec toute difficulté qui était gagnée. Jean Préval t'est monté au pouvoir ça là. Donc, on avait dit qu'il fallait confier le pouvoir à la Cour de cassation. Mais écoutez, ça on a vivre là où dit, il n'y a pas de problème. Parce que pas maintenant, même si nous exigeons la démission des membres du Conseil présidentiel de transition, mais qu'on va pour comprendre. Et c'est dans la déclaration qu'il m'a répété fait avant qui me vient comprendre. Et puis il dit, attendez bien, bagaille BNCA, c'est un petit goût de l'eau qui renverse ces vases-là. Mais ça n'a pas rien, non? Devant corruption et détournement de fonds qui viennent dans le conseil présidentiel là. Et puis il dit, si vous avez manqué moyen pour conseiller ça, vous tout pour aller. Parce que ça vous fait même plus grave. Donc, vous avez 8 millions de gouttes à manger chaque mois là. Donc, ça veut dire si ça n'est pas pour nous qui entre dans la tradition. Oui, ça veut dire lutte. Ça veut dire que les gars qui ont fait lutte contre la corruption sont faux paroles. Et c'est ça, oui. Et Dali Valet dit non, tu dis sorti hier soir. Il dit ben, écoutez, où doit faire lutte contre la corruption, mon ami? Mon premier nègre qui dénonce la corruption, on révoque elle. Pour qui est-ce employé là, Kounia là, et pas ça? Qui dans l'État, qui croit en directeur général, qui prend la chance dénonce son ministre, on directeur général qui a fait corruption? Personne! Mais c'est là, nous sommes dans la manipulation. Mais bon, question pour nous poser tête, non? Et me dit colonel Ribi, ça me dit colonel Ribi, est-ce que d'après vous-même, vous pensez, nous finissons faire 31 mois inutiles avec Ariel Henry, avec une équipe qui me dit qui me qualifie comme équipe qui est nulle dans toute l'histoire de l'IA? Mon cher, ça que là, vous nul. Mais me saisis, vous dites. Oui, vous voyez ça que là, vous nul. Donc, je me suis dit, est-ce que Kounye là nous parle de 2 ans ou 10 ans, fini, et puis nous rendons nous compte, nous faisons 5 ans, le temps de mandat présidentiel, et puis nous faisons 5 ans, nous vieux transition pour le mettre là. Ou pas comprendre, nous dit, pour qui ça nègre ici, remet transition. Nous devons toujours combattre, nous combattre, j'aime comprendre, nous dit. Nous devons toujours ça, nègre ici, remet transition, parce que la transition, c'est une banque à dévaliser en toute impunité. Dame Namdoula et qui la CPA, même moi, j'ai balé, j'ai balé champagne, j'ai balé du vin, dit pas bon, dit bien ça. C'est du vin de haut de gamme. Oui. Que le bois lui-même. Oui. On a fait un monde qui a pas mangé à l'achat du vin. Juste un homme. Tu veux pas aller. Bon, ok, le goût de malheur, ça te rend du vin de haut de gamme. Ça. Mais justement. Parce que Régine Abraham. Oui. Un monde qui était caché ma amie. Oui, mais sacré. Tu veux dire du vin de haut de gamme, ça te rend du vin. Mais c'est sacré. Oui. Parce que c'est au frère de la princesse. On a fait des exigences. C'est blanc pour lui manger. Il va manger le bois lui manger blanc pour lui. Oui. Bon, ça dit, mon yo. On ne peut pas être là, Régine Abraham ne peut pas être là, ça va faire le conseil là. Mais non, mais parce que c'est ça. C'est mais son gros chef lié. Oui, mais c'est peut-être ça que son gros chef. Tout le monde remet transition en Haïti parce que transition pas une règle. Transition pas un principe. Le matin, c'est fruit le manger. Oui. Le fruit, il faut grimper le cop. Oui. Quand vous allez rester avec un bol. Mais comme c'est comme l'État, c'est comme le pays, hein? Le matin, c'est fruit pour venir servir. Oui. C'est-à-dire, on prend 9 mouns, et pas ça. Ils ont mangé bien sous dos, sous le monde, ils ont bien mangé, bien mangé. Et par contre, mettre des produits. Et c'est ça, premier ministre. Tu m'as tué même gens. Oui, c'est ça, premier ministre, qui me désolé. Dit que vous avez un banc présidentiel. Ou pas un fauteuil présidentiel. Ça veut dire, pas qu'il y a intelligence, ou dit. Pas qu'il y a intelligence intellectuelle. Pas qu'il y a intelligence politique qui est à la base de création conseil présidentiel de transition. Nous passons d'un fauteuil présidentiel qui est un monde. Pour qu'il y a un banc présidentiel. Son banc qu'on gagne. C'est des juisseurs qui. L'ensemble est des juisseurs. C'est des monde qui a joué l'État là sans résultat. Il n'y a pas de résultat.
Mais jouissance là, il y a fait. Et bagay ça, son honte pour pays. Oui, mais vous dites qu'on s'agit. Son honte pour pays. Parce que tout le monde, pourquoi ça, tout le monde, ça a besoin de transit. Dis-moi qui moun ou est là. C'est pas ça? Qui n'a conseil présidentiel là, qui te calme dans l'élection, et puis peut-être voter pour Kazakh. Non, bah, non, il eh ben, c'est ça pour comprendre. Ça veut dire, non, démocratie. Oui, non, démocratie, qui est-ce qui va le pouvoir? C'est le peuple là. Mais moun yo konnen yo pa gen sentiment peuple là, yo pa gen consécration populaire, seul moyen pour prendre élection pour prendre pouvoir dans pays là c'est transition parce que la transition son ba ki hors norme, qui pa gen principe, qui pa gen ken règle là-dedans. Ou pa nèg la di kon sa gen pouvoir net là. Maintenant à l'heure actuelle, donc vous avez un régime totalitaire, autoritaire en Haïti. Nèg la président il ou là dans conseil présidentiel, il pa justiciable devant la haute cour de justice, parce que pas gain la haute cour de justice, pas ça, pas gain parlement, mais le tout pas justiciable devant le tribunal des droits communs. Donc ça veut dire ou vinn bon j'en va raconter m'en là ou dit ou vinn créer une catégorie de citoyens supérieurs de la République. Donc moun sa yo c'est privilège, vous comprenez, c'est jouissance de l'état, mais il n'y a pas astreinte à aucune règle de la République, à aucun principe de la République. Donc c'est ça. Ce n'est pas seulement on honte pour le pays. Ya. Mais là, tout le monde a attendu de gagner trois conseillers présidentiels. Il a marché devant ULCC, il a convoqué, il a fait confrontation avec chauffeur, ou on prend confrontation avec sécurité. Yo. Mais ça, c'est une honte. C'est-à-dire, nous laguer Haïti. Il n'y a pas qu'on honte, nous indignité, nous trou de merde qui nous arrive là dans la situation. Ça. Mais il n'y a pas le plus grave. Son après là, son épiphénomène qui a passé là, ou dit. Nèg yo prend une décision yo dit présidence tournant, c'est pas ça? Non, non, admet. Comme nèg yo pas gen ken nan pays y a défendre, y a fait durer le plaisir, c'est pas ça? Là yo kou y a nan ULCC là, ULCC même ka pi bien égaré, li font on procès verbal de carence, il dit bon et dit qu'il va venir saisir là bon l'autre bord. Maintenant comprendre bien. Comprendre bien. Il n'y a pas une résolution du conseil présidentiel qui écarte nèg yo. Et yo pas ka prendre tout. Deuxièmement, par un rapport de ULCC, pas ça? Qui t'a obligé, yo. Et par rapport à ce que tu as fait là, non? Qui t'a obligé de sortir. Rapport ULCC, a été droit de sortir, yo dit, oh, mais la procédure se poursuit, pas ça? Le devant commissaire du gouvernement, nous l'a toujours. Tout à pour qu'on juge d'instruction, pas ça? Qui sort en ordonnance, a pas une ordonnance qui sorti, pas ça? Contre Claude Joseph dans l'affaire de Jovenel Moïse, pas ça? Qui voulait la juger? Est-ce qu'il n'a pas désiré mon conseil présidentiel? Non! Ou non manipulation politique de grandes manœuvres qu'a fait là. L'on pas arrivé dans 5 octobre, et pas ça? En vertu du principe que nèg yo dit la présidence tournante là, Edgar Leblanc a ka kembe président. Depuis, sous qui prétexte, comme si ou pral dire pas ba Smith Augustin président? Smith en difficulté. Mais qui sont comment en difficulté? Qu'est-ce qui mettait en difficulté? L'abdou Fobalil! Mais sous qui principe ou pas balil? Maintenant, qu'on est là, sous dit, t'as bien? Sous dit la difficulté, faut qu'à expliquer ou même difficulté à qui faut pas balil. Et sous la difficulté à pour qu'ils ne soient pas décatés dès le départ. Et c'est ça qui fait son épiphénomène qui a passé là, parce que les choses sérieuses vont débuter au mois d'octobre. Parce que le mandat Edgar fini? Fini. Maintenant, est-ce qu'il peut aller qu'un mandat? Ou bien le bal Smith Augustin, qui dit qu'il est en difficulté. Mais quand il commande pour mon zavali, bon, excusez-moi si je dis qu'il commande, parce que je ne sais pas si je dis qu'il commande, mais comme c'est qu'il commande qui met yo, c'est le créé yo, il demande pour toi conseiller aller. Exactement, vous tenez bien. Tout pouvoir trouve sa source dans une règle de droit. Et ça, vous apprenez moins l'aime de l'école. Pour qu'on pouvoir, il faut le justifier par une règle de droit. Mais pour voir ça, nous là, il n'est pas justifié par une règle de droit. Il est justifié qui ça? Par la simple volonté de la CARICOM. Et de l'ambassade américaine, c'est pas ça? C'est lui qui sous pouvoir. Tout le monde dit pas, parler là, n'est pas démissionné, si c'est là, bon, l'autre bon. Blague. Depuis l'ambassade américaine, sort en tweet là, tout le monde allait, tout le monde allait. Parce que sous pouvoir, origine pouvoir, ça là, donc c'est CARICOM qui tape le rôle de sous-traitance pour les États-Unis d'Amérique. Et puis les États-Unis d'Amérique frappent pied là et ils disent tout le monde aller. Tout le monde peut aller. Aussi simple que ça. Mais comprenez bien. T'as coup Dali va te dire dans tout le monde. Si vous ne prenez pas la décision intelligente, soit vous yo démissionné des propres gré, vous avez des forces sociales, morales, intellectuelles qui disent que vous démissionner. Et ces mêmes gens, sénateur Kelly Bastien dit matin, il dit mais c'est tant de bien. Vous êtes devenu indécent.
Quand il y a la CULCC là fait un an, il va ça, il va jamais balle rapport là. A bien un an côté conseil présidentiel là bloqué. Mais vous êtes défini indécent. Parce que blanc attendu là pas rien qu'un chargé d'affaires qu'a voué là qu'il là nous. On pas qu'a voué ambassadeur pas rien par le parlement. Les envoyer le chargé d'affaires, consul général, il pas accrédité diplomate pour au niveau international tout le temps que nexa ou participer à la décision. Il en est de même aussi. Blanc a fait pression pour mettre et conseil électoral en place, c'est pas ça? Mais si nèg yo là, il a participé à la mise en place du conseil électoral. Donc, dès le départ, le conseil électoral là décrédibilisé. Donc, la République est bloquée. Elle est bloquée, deux bagailles qui fait bloquer, c'est parce que les autorités du pouvoir exécutif avaient décidé de limoger Raoul Pierre-Louis, et deuxièmement, parce que les trois conseillers du conseil présidentiel refusent de démissionner. Donc, on a une situation, et ça veut dire, situation de blocage politique. Et c'est, il faut qu'il y ait une décision politique donc pour débloquer la situation. Et débloquer la situation, hein? Donc c'est forcer ces trois à la démission et de manière pour poursuivre l'enquête là, pour Raoul Pierre-Louis, lui-même, il a toutes mesures de sécurité qui est appropriées. Donc pour l'aller devant ULCC pour faire confrontation. D'autres, autrement dit, nous allons déjà dans l'audition, nous pas refuser d'aller parce qu'il était président. Il était une machine blindée, il était une sécurité, il était une DL. Pas de problème sous ça. Bien qu'elle t'ait sollicité d'autres. Parce que ça que t'es DL, pas suffi pour t'assurer sécurité lui-même et famille en Haïti. Il t'ait sollicité l'autre monde pour assurer sécurité. Donc, nous sommes prêts. Et comme nous là, comme ceci est à mon avantage, vous allez comprendre. Et puis, il y a ces moments de confrontation, moi-même prêt pour me faire. Avant que tu aies les dernières questions, ça peut nous faire là? Par rapport à Samuel là, moi-même, comme on connaît, à cause de l'émission, ça comprend, mais moi, je viens connaître. Mais là, je viens connaître. Des gens vont énerver plus avec mon ou mon cap dirige Haïti, pas gagner pour avec Haïti. Exactement. Mon cap, et où ça me dit le faux, mon, ni c'est plus match, ni c'est qui l'autre bagarre à relé, conseil présidentiel, y'a pas gagné pour avoir avec Haïti. Qui ça va nous faire? Moi-même, vous connaissez, pour me renforcer ce dia, pour nous, vous Haïti, c'est une colonie d'exploitation. Ok? On a droit insensé. On a droit pour nous prendre des plaisirs insensés. Et c'est ça, Haïti. Tout le monde qui dirige là, vous comprenez? Vous considérez Haïti comme un bagage pour faire commission et pourcentage. Tout le monde là a fait commission et pourcentage sous dos Haïti. Parce que, pas maintenant, tu y a des dirigeants là, où dit, il n'y a pas de dirigeants. Ce sont des agents du gouvernement des États-Unis. Et ouais, moi, comme si modéré dans ça, m'a dit là, je dis des agents du gouvernement des États-Unis pour courir pour ça. Je d'apprendre de Himmler et Bi, dit là, il dit la composition du conseil présidentiel ne comporte que des agents. Ok? Tout le monde est là, il affirme le clé sur eux. Pas de monde qui est dedans. Conseil présidentiel là, ou bien qui est dans le gouvernement, il dit que tout le monde, c'est des agents du gouvernement des États-Unis. C'est des gens des États-Unis qui travaillent avec eux pour réaliser les pour objectifs du gouvernement des États-Unis en Haïti. Et là, il est plus loin. Il dit ouais, nous longtemps, dans le régime du Valier, avant eux, Américains qui ont fait un comme s'ils infiltrent pas des agents, vous comprenez, quand on a les formations, si c'est là. Mais quand là, c'est directement. Il pas infiltré dans quoi non, il placer des agents directement, soit comme président, soit comme premier ministre, comme ministre. Maintenant, c'est la débandade, c'est tout à fait total. Donc, situation pour ta là, pour nous faire, vous dit. C'est si tu as un peuple, n'a pas un nom encore. Un peuple, non? Pas un nom, non. Tout petit peuple là, Biden, yo parti, tout le monde qui te fait résistance, yo aux États-Unis, yo au Canada, yo en France. Donc, pays a pas un nom encore. Nom pays a fini. Ça dit, peuple n'a pas qu'à bataille encore. Peuple n'a pas gourmet, peuple n'a pas vague. Ou bien tout le monde, je dis, tout le monde, il a regardé l'autre côté en direction. Donc, la jeunesse part dans toutes les directions du monde, il n'y a pas cherché la vie. Parce que Haïti n'est pas possible encore. Maintenant qu'on est là, c'est comme si tu nous as dit, si pas patriote, ou dit, comme moi, je là, ok? Ou qu'à partir, ou qu'à le Canada, ou qu'à les États-Unis, qu'à aller. Mais si nous pas patriotes, nous pas de Haïti, nous t'es abandonné déjà.
Ce n'est pas nous qui expliquons là. Ou pas un gouvernement qui a agi selon la loi, selon la constitution, ou comprendre selon. Par exemple, Mabdo, il a créé un tribunal de première instance là, quand il est à Gonave. Je suis content. Je suis content. Pour la première fois. Pour la première fois. Je suis content. Mais là, je regarde des textes qui créent là, ou à comprendre. Peut-être que je me fais mal. Donc. Est-ce que vous faites? Je ne sais pas qu'on est où dit. Ça veut dire que moi, faut me décourager. Ou qu'on s'accrive, c'est parce que dans la tête où l'autre pipiti ou à l'école ou dans l'université, ou qu'on est vraiment côté ou ton agent de changement, mm-hmm. comme si on pas le travail pour provoquer changement en d'un pays. Imaginez, monsieur professeur de droit constitutionnel dans l'université de Haïti, m'a fait cours sous constitution 87, la constitution va exister. Tenez bien, oui, m'a enseigné en constitution qui a dit qu'on va le changer. Que quel monde pas appliqué, c'est comme si tu coup map de ma là, comme si mon dit, mais ça me s'a dit là lui-même, comme si l'a dit on bagaille bon l'autre bagaille qu'a fait dans réalité m'a enseigné en constitution côté monde qui dirige qu'a dirige là dit on va le supprimer. Vous va comprendre, m'a enseigné un paquet de bagaille qui pas existé, qui pas gain rapport avec réalité. Donc, ça veut dire qu'on a ouvert une situation d'inquiète, monsieur. Mais tout ça apprend l'école. Il n'y a pas appliqué à Haïti, non? Parce que les qui dirigent Haïti, ce n'est pas ni la loi, ni principe, ni règle. C'est ça que dans la tête, il y a fait. Bon, même si on dit 50 000 paroles, même si ça prend mettre un côté, vous avez bien. Nous avons avant hier, mais André Michel qui a demandé Blinken pour le dire pour le faire Ariel tourner ou lui. Et voilà, ben, Michel, il va venir faire Ariel tourner. C'est mon vagin même pas d'accord non premier nèg qui pas d'accord j'ai arrêté Ariel là et moi parce que me dit son coup d'état international ça me dit ça contre Ariel mais comment vous faire pour Ariel tu un gouvernement qui est là ça le conseil des ministres c'est lui mettait conseil présidentiel pas ça comme si pour négocier là tu un conseil des ministres va me font protestation même on était parti en mission officielle négocier tout. Ça veut dire on est parti dans un premier ministre son pays oui parti dans mission officielle pour pays le bazar États-Unis il va retourner États-Unis décider de mettre en détention la Kaili. Le conseil des ministres qui est la plus haute instance politique de ce pays et bazar pas même une note de protestation il va jamais faire. Donc c'est ça ouais il me l'a rébu d'où ce sont des agents du gouvernement des États-Unis. Le monde c'est aussi pichot c'est cap diriger tout belle ça avec au fait. Et puis justement, même, il y a pas maintenant, il y a pas fait par eux, a fait par ici, pas réglé, et puis par ici, elle-même, pour que je ne sois pas comprendre ça. Oui, mais maintenant, vous dit, après toute expérience nous avons pendant 3 décennies, bon bagay, vous nous faire. Si moi-même, avant nous décider pour nous vivre dans le pays, pour nous rester, et de ce fait, nous rester. Et nous, là, nous avons pas ça. Donc, il faut constituer une équipe de délivrance pour Haïti. Parce que ça qu'a fait là, bon détentation que fait dans le pays qui bon pour nous. Qu'on a tout le monde comprendre qui est. Je veux dire, c'est toute la gauche qui est occupée qui dans le conseil présidentiel, pas ça? Mais ils votent contre Venezuela. Et puis Maduro ne dit pas occupé, il n'y a pas ça qu'à Haïti. Ça qui vote contre le Venezuela, et pas ça? C'est pas Haïti. Et comment ça Venezuela fait? Ou est-ce que même ça, ma amie sorti là, oui? Dans le COP, nous avons prêté qu'il nous gaspille dans le Petro-Caribe. Venezuela dit 1,5 milliard de dollars pour retirer le Haïti. Parce que Haïti, dans les yeux, c'est quelque chose. C'est même gens qui disent, l'homme ne nous pas fait un yé dans l'histoire. Même gens qui ont États-Unis à porter Israël. Là, pas ça? Parce que lui crée Israël. C'est petit lui. Donc Haïti a créé le Venezuela. Ça veut dire, Venezuela, c'est petit Haïti. Et Venezuela toujours connaît que c'est petit Haïti lié. Et puis nous-mêmes comme Haïtiens, ça veut dire, nous abandonner Venezuela. Pour des pays qui ne font même pour nous. Mais quand on est Haïti, c'est maman, c'est lui qui fait. Il n'a pas renoncé avec maman, il est toujours attaché avec maman, mais maman répudie lui-même. Pour des gens qui ne font rien pour lui. Donc ça veut dire qui ça? Ou bon élite qui n'a pas de dignité. Ou bon élite qui n'a pas de caractère. Pour qui ça? Vous avez comme ça? Parce que vous volez trop pour dire. Parce que vous corrompu, vous volez, vous criminel. Parce que pour parler avec États-Unis, Canada, France, il y a 3 bagages pour gagner. Il faut gagner intégrité. Il faut gagner honnêteté.
Faut pas dire que mettez le bagage nous barre là dans un vol, dans un pillage, faut pas dans la corruption à grande échelle. Il faut être intègre. Deuxième bagage, pour faut être patriote. Ça veut dire faut intérêt Haïti passer avant tout le bagage. Mais faut être patriote. Et troisièmement, faut être compétence. Compétence là, m'bavle dit diplôme. Un petit spon dit ça ici. N'est qui compétence, n'est qui gagne maîtrise, gagne doctorat, qui gagne licence, c'est pas sa compétence, vous l'avez dit. Dans l'école, côté me dépasser en Amérique du Nord, compétence, vous l'avez dit résultat. Ou quand vous avez un doctorat, vous confiez aux santé publique, vous confiez au ministère de la justice, vous confiez à l'économie, vous confiez tout le monde à l'écraser dans le monde, vous êtes un médiocre. Parce que compétence, vous voulez dire résultat. Et c'est ça pour nous dire dans la radio. On est compétent, on a diplôme, maîtrise, doctorat, licence qui font compétent, mais c'est résultat, c'est performance, c'est efficacité. Et c'est ça. Ça veut dire qu'il faut présenter bilan avec nous. Créer le promo, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, créer le promo là. Créer le promo, chapeau. Félicitations, nous ne pouvons pas bouquer. Félicitations. Créer le promo SPS, son choix qu'il dit. Bon. Créer le promo SPS. Son choix li. Et moi, c'est créole pour moi. SPS fait choix baldou. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec créole pour moi. Ça prend souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus gros plateforme. Plus mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bon bagaille. Jean Yoyia. Toujours abonné. Toujours partager. Toujours commenter. Et nous attendons pour nous demander qui sont besoin, qui sont à remettre et qui sont plus tôt. Créole pour moi, ça en souffre. Ciao.